Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les en-têtes et les pieds de page dans le traitement de texte Writer. Commençons par ouvrir un document composé de plusieurs pages. Cliquons sur l'onglet « Insertion » dans la barre des menus. Dans le menu déroulant, cliquons sur « En-têtes et pieds de page » et choisissons « Pieds de page ». Par exemple, et cliquons sur « Style par défaut ». En bas de la page, si nous activons les caractères non imprimables, nous voyons le curseur apparaître dans un nouvel encadré. Opérons de la même façon pour les en-têtes. Insertion, en-tête et pied de page, en-tête et style par défaut. Nous pouvons, si nous le souhaitons, introduire un champ afin d'indiquer le numéro de la page et éventuellement le nombre de pages contenues dans le document. Nous pouvons également indiquer sur chaque page le titre du document ou toute autre information. Nous allons par exemple indiquer le numéro de page et le nombre de pages dans le pied de page. Cliquons dans « Pied de page » et commençons par centrer le curseur, puis allons dans le menu « Insertion », puis dans le menu « Déroulant », cliquons sur « Champ », puis sur « Numéro de page ». Cliquons ensuite sur la barre oblique du clavier, retournons dans le menu « Insertion », puis sur « Champ », puis sur « Nombre de pages ». Nous voyons apparaître le numéro de la page et le nombre de pages dans le pied de page. Pour terminer notre présentation, allons dans l'en-tête, centrons le curseur et écrivons notre titre. Enfin, allons dans l'aperçu pour constater que le titre de l'en-tête et les numéros de page apparaissent bien sur chacune des pages du document. Si ce programme d'apprentissage vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche située à droite du pavé abonné. Vous serez ainsi averti lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo.